calm your anger. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Bonjour à tous. Salut. Comment ça va bien? Vous avez passé un bon week-end? Hein? Bah oui, mais il faut crier, pas le micro. Donc, bon, bah, on reprend la route un petit peu, hein, pas longtemps, parce que on s'en va chercher la table. Ah, enfin! Il y a Jean-Philippe qui est quoi, qui a 3 quarts d'heure de chez nous, et il nous a dit bah, je suis à Saumur. Bah, on a dit bah, on arrive. Ça te dérange pas que je fais une vidéo là? Non, mais ma fenêtre elle veut pas se fermer. C'est bon. Ah, c'est mieux là. C'est bien qu'il y avait un truc. Et on, voilà, coup, ça se trouve, il va pas pouvoir nous la ramener. Ouais. Donc bah, on lui donne rendez-vous à un point à Saumur, donc bah, on verra s'il va être là ou pas. Et on était censé venir en voiture, c'est ça le truc. Ouais, mais il est pas au courant. Fait 2 fois qu'il nous loupe et qu'il voulait voir le bus fini, le car fini. Voilà. On a dit, vas-y viens, on va lui faire une petite surprise, nous on va venir avec le car. Donc en fait, consommation quadruplée par rapport à 806. 4 mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, non, mais du coup, imagine, il dit ouais, mais je peux pas, temps de pause et tout, je suis obligé de m'arrêter en Bretagne. Et nous, on est comme des cons à Saumur. Ouais. On verra. On verra. Bon, bah, la suite tout à l'heure. Voilà, on roule, ça roule bien, tranquille. Ouais, c'est de la belle route là. Ouais, donc je pense que salut. Ils nous en disent tout cas, bonjour, ouais, les camping-cars, ils nous disent plus. C'est fini, hein, mais plus dans leur cœur, on a bien vu que. On était à part. Ouais. Non, non, on était à part, hein, voilà. Ils nous prennent pour un club de rugby ou de foot, mais c'est fini. Il n'y a plus de petits signes, on peut plus s'amuser à faire ça. Tirer la ficelle les enfants, ouais. Mais non, ça marche plus. Ça marche plus, ça. C'est la fin. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes arrivés à bon port. On a rendez-vous ici avec Jean-Philippe. Et on n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pue là, non? Ouais. Bon, on verra bien. Au moins, on a été chercher du gaz à Saumur, on n'avait plus de gaz. On a pris 2 bouteilles neuves. Je pense qu'on va tenir. Oh, c'est la date que je voulais noter dessus. Ah, on va la noter, ouais. On va tenir, je pense, 2 ans. Parce que ça sert uniquement bah, pour la gazinière. Donc, à mon avis, on risquerait de tenir longtemps. Comme à la maison. On tenait quasiment une petite année avec une bouteille de gaz. Oh non, on faisait 6-7 mois ah avec. Bon ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. Bon, voilà, on verra. Et là, je suis embêté encore avec mon compteur. Là, j'ai la jauge de température d'eau qui ne fonctionne plus. C'est malin. Alors, ça m'ennuie. Je crois que j'avais ce petit condensateur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un petit truc vert là qui déconne. Regardez, si je le touche, hop, ça revient. Donc, tu vois, ça revient, regarde. Là, j'ai pu. Et là, ça revient. Je suis à un quart. C'est un petit truc vert, je sais pas comment faire pour le qu'il fasse contact. Bon bah moi j'ai trouvé, ça a été rapide. Ouais c'est clair. Tu vois, c'est chiant ça. Et voilà, on est arrivé sur un petit spot là. En fait on va se donner rendez-vous avec Jean-Philippe. Il sait pas qu'on est avec le car. En fait il avait du retard. Et moi ça me gavait d'attendre 3 heures à Saumur. Je dis non vas-y on avance et tout, ah, on s'est pas compris, il nous croyait pas. C'est pour pas lui dire qu'on est avec le bus. Le car, excusez-moi le car. Oui je sais on appelle ça un quart de voyage. Mais j'aime bien dire bus parce que ça fait pas mal. Bus. Hey salut ami camping-car, comment vas-tu? Tu t'arrêtes pas ici, on a un super spot. Non, bah il veut pas s'arrêter. Voilà, allez, j'ai un montage à faire moi, c'est vrai. Oh, hier, je suis super heureux, on va recevoir notre table. Salut ami camping-car, pourquoi t'arrêtes-tu pas ici? Non? Personne? Nous sommes seuls ici. C'est pas grave, c'est trop bien. Oh, yeah! Allez, tout à l'heure. Ah, tu mets pas autant d'énergie pour faire l'école hein? Comment ça se fait? C'est pas pareil là. Toi c'est pareil, hein? Et on attend, et Jean-Philippe il va pas tarder d'arriver. Moi je fais un petit montage. Bah il faut faire le montage, hein, il faut travailler un peu. Vous avez vu? Oh là là, c'est trop beau! Elle est trop belle! C'est un truc de dingue. Je la vois, j'ai l'impression qu'elle est là, qu'elle veut me rentrer dedans, et j'ouvre mon PC à chaque fois, ça fait ah! À chaque fois j'ai peur. Non, non, c'est pas ma femme, la GTR. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? On t'a fait une sacrée blague, hein? Oh la vache! Ah ouais, tu voulais voir le bus? Bah voilà, tu vas pouvoir le voir. En vrai. Mais attends, c'est pas le même. Bah si, la dernière fois que tu l'as vu, il était comment? Eh ben en fait, tu vois, il y avait encore les panneaux en haut à faire. Ah ouais, c'est vrai, t'avais fait un trou dans le fil. Ouais, enfin non, on va pas parler de ça. Ouais, j'étais peut-être pas obligé de le dire. Mais c'était ce moment-là. Ouais, donc il était vide en fait. Et maintenant, c'est une petite maison. C'est ta maison. Et il manque la table. Et il est habillé en vadrouilleur. Elle est là. Et voilà. Juste la mettre maintenant. Ah oui, moi je suis habillé tout le temps. Bon allez, nous on va vous laisser parce qu'en plus on a préparé à manger pour... Enfin, Charlotte a préparé à manger pour Jean-Philippe. Voilà, il fait sa petite pause de camionneur. On va manger entre copains et je pense que ça va être bien. Hein? Plutôt que de manger tout seul dans ta camion. Non, ça c'est sûr. Ah Mathieu, gars. Et ben là, on va être ensemble en famille en fait. Avec les gamins. Allez, on vous laisse. Bon, et on va déballer un panneau. Ouais, c'est la tirette de portière, la Renault. Là. On va dire un truc de Renault 9. Papier bulle, hein. La table. Voilà, ce que ça donne. À bout table. Alors, ça vous plaît? Elle est chouette, hein. Oh ouais, c'est trop beau. Ça, ça sera un panneau. Non, c'est une table. Il y en aura ici. Oui. Il y en aura 4 comme ça avec le panneau central qui sera fixe. Et eux, ils seront amovibles. Donc voilà. Après, il y a la question, est-ce que je vais faire des petits trous et je mets des vis à bois pour mes charnières parce qu'en fait, il y aura des charnières qui seront en dessous ou j'ai peur que ça tienne pas. Ou est-ce que je mets, je fais des petits trous et je mets des toutes petites, je vais faire la défonceuse des trous, tu sais, pour que la vis, elle arrive au ras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Avec des tout petits boulons. Okay. Bon bah Jean-Philippe, ouais. Merci encore. Adieu. C'était bon? Adieu. Ouais, par contre, monsieur, adieu aussi. Ouais, pourquoi? Bah parce que là, ils sont là. Non, non, c'était très bien. Tu vas pouvoir dormir sur le dos, le ventre en l'air, peinard. Ouais, bah, rassasié. Rassasié. Ouais, rassasié. Merci encore. Et les bandits te remercient aussi, je pense qu'ils vont te le dire. Ils vont encore dire, ah bah ouais, ils vont dire en commentaire, ah merci à Jean-Philippe. Il est encore là, qu'est-ce qu'il fait là? Un sacré bandit et tout, tu verras, ils vont encore laisser plein de gentils messages pour toi. Et ils ont tout à fait raison. Parce que ça nous a vraiment bien été pratique. Et puis bah, nous, on repart, on voulait dormir là, mais en fait, on est dans une cuvette et on capte pas. Donc si on capte pas, bah, pour vous, pas de vidéo. Voilà. Bah, des fois, c'est un peu le problème. En fait. Hein, chouchou? Donc voilà. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. A bientôt, prends soin de toi. Et on se reverra sûrement dans peu de temps, on verra ça. Je vais faire ma révision chez toi. On verra ça. Un petit tuto mécanique encore. On fera un petit tuto mécanique, il y a tous les filtres à changer, puis c'est son ancien métier mécano. Donc on va voir tout ça. Il va m'expliquer des trucs à droite à gauche. Puis... Voilà, à voir. Mais il y a de grandes chances pour que ça se fasse. Voilà. Voilà, c'est ça. On va repartir sur de bonnes bases avec les révisions faites nickel. Oui. Prêt pour partir pour de nouvelles aventures. Pour un tour du monde. Voilà. Tout le monde est prêt, eux ils sont dans leur couette bien emballés. les gamins. Nous on reprend la route. Allez bisous, à bientôt. Salut à tous. Bye bye. Bye. Bye bye. Oh, de quoi Julia? Ah oh, bah carrément toi. Mais non, faut mettre des pouces en haut. Non, c'est en haut les pouces. Ah oui! Non, bah elle a mis les pouces en bas parce que... Mettez les pouces en bas, Julia veut des pouces en bas. Faites-lui plaisir, plein de pouces en bas. Ouf! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a reçu la table, c'est trop bien, regardez. Bon, là, j'ai mis à l'envers le plateau qui sera fixe. Vous voyez, c'est un tout petit plateau, ce qui fait que ça va nous laisser un grand passage quand elle sera repliée. Et après, on aura les plateaux qui viendront, en fait, comme une table de bateau. Voilà, se replier comme ça. Okay. Et voilà, si vous avez vu hier sur la vidéo, je vais vous refaire voir là en pleine journée. Regardez cette beauté. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est tout brillant et on voit le bois à l'intérieur, vous voyez. Et il a fait un aspect mouillé, comme je voulais. Ensuite, la base, voilà, c'est du blanc, c'est de la résine blanche. Et en fait, il a noyé du bois dedans. Regardez, vous voyez la tranche. Est-ce que vous la voyez, la tranche? Vous la voyez bien, la tranche? Attention, attention. Vous la voyez bien, la tranche? Ouais, c'est bon. Voilà. Vous avez vu? C'est joli quand même. Hein, il me les a numérotés, sauf là. Dimitri, celle-là, tu l'as pas numérotée. T'as oublié. T'as mis un, 2, 3, 4, 5, tout, 1, 2, 3, 4 tout autour, mais pas sur la planche. Mais bon, c'est facile, je vais repérer par rapport au bois. Puis j'ai vu que t'avais arrondi. Hop, les côtés. Voilà, nous avons l'immense joie et l'immense privilège de vous présenter cette table en avant-première. Et attention, c'est du costaud. Ah ouais, faut bien tu vas la casser. D'accord. C'était pas sans mal, hein. Franchement... Franchement, c'était galère. Bon, déjà, on va commencer par cette table. La matière, c'est quoi? C'est de la résine époxy. Et Dimitri, celui qui nous l'a fabriquée, qui a galéré aussi, voilà, parce qu'elle est en plusieurs bouts, il n'avait pas l'habitude de faire ça. Il nous a mis des planches dedans, 3 planches, une grande planche centrale, et puis après il y avait 2 autres planches sur les plateaux qui ont été découpées en 4 plateaux et un morceau fixe. Ok ? Donc Dimitri, il est dans le sud et il a une page Facebook. À Toulon. À Toulon, plus exactement. Et sa page s'appelle « Mes créations époxy ». Voilà, donc il fabrique des tables en époxy. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook. Et puis allez lui commander plein de tables, comme ça il va être débordé. Voilà, c'est un petit jeune, on peut dire, je sais pas, il doit être jeune comme moi, à la vingtaine. Il a son compte et il fait ça tout seul, donc voilà, c'est quelque chose qui lui plaît. Et ça fait plaisir. Voilà, sinon le montage, c'était pas sans mal, parce que pourquoi le but du jeu, dans le cahier des charges, moi je voulais absolument avoir deux pieds centraux pour pas qu'on soit embêté, voilà, pour passer. Je voulais que la table se plie comme une sorte de guéridon, pour qu'on puisse avoir une allée pour passer d'un côté ou de l'autre. Si jamais Charlotte, admettons, a envie de travailler là-bas sur le PC ou pour faire quoi que ce soit, je voulais encore avoir la possibilité d'avoir ce petit couloir ici, ok ? Donc on a fait tout ça. Au début, j'en ai mis des charnières, donc 2 charnières par plateau. Vous avez le pied central qui est au milieu, là vous voyez pas, avec un grand plateau en acier qui revient d'ici à ici, qui fait la largeur du guéridon, on va dire. Voilà. Et au début, on voulait mettre des vis. Les vis à bois, ça passait pas. Donc j'ai refait des trous et j'ai mis des boulons avec des écrous. Et ça tient super bien. Ça sera résiné par la suite. Ouais, on va résiner par la suite pour faire une petite couche de finition. Bon, Dimitri, il a été embêté parce qu'il a eu un problème avec une résine qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser. Donc il y a des mini défauts. Il m'avait dit, je peux te la garder encore une semaine et je te finis les défauts. J'ai dit non, là ça commence vraiment à urger. Bon, on la veut. non, ça commence vraiment à urger. Et donc du coup, il y a les petits défauts. Je vais le faire peut-être plus tard. Il m'expliquera comment faire. Pour l'instant, elle est là. Il y a d'autres choses bien plus importantes que ça. Et voilà, bon, boucher les petits trous pour dire qu'il n'y a pas de saleté qui vient s'incruster dedans. Allez, c'est bon. Et on va vous faire voir comment ça fonctionne. Mais il faut que j'explique aux gens. Des pieds centraux. Ensuite, on avait 2 équerres qui venaient, qu'on dépliait et qui venaient se prendre comme ça. Une équerre en dessous, une équerre sur le côté ici et une équerre ici. Ok. Le problème, c'est que quand les équerres étaient rangées en dessous, bah pour se servir de l'équerre qui était ici, il fallait lever ce plateau-là, comme ça, tirer l'équerre là-bas, redescendre le plateau et c'était bon. Pas pratique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec une seule équerre, moi je vais vous faire la démo, avec une seule équerre, regardez, voilà, bah en fait le plateau il est costaud. Après les tables on va pas s'affaler dessus, hein, à part les enfants, mais on a laissé qu'une équerre, donc j'ai enlevé les 4 autres équerres que je vais garder, on sait jamais, si un jour ça va pas, et voilà, donc l'équerre, il y a une petite butée en dessous, avec une vis que je peux régler, pour régler la hauteur de ma table. Et en plus, j'ai fait un trou dans la table, ce qui fait que, écoutez, regardez, voilà. Là, vous pouvez pas, par inadvertance, vous ne pouvez pas shooter dans votre équerre et après le plateau, il tombe. C'est un système assez costaud et rapide à mettre en œuvre. Regardez, on peut même la lever quand on est assis dessus. Et ça, c'est trop bien. Regardez, hop, voilà. Tu veux passer, hop. Et l'équerre, quand elle est repliée, elle fait un petit renfort ici. Donc ça c'est cool. Après j'avoue, le grand plateau, vu qu'il fait 2 mètres et quelques, il est un petit peu flexible en fait. Donc il a bien fallu que je gère avec mes plateaux. Si mon plateau était trop incurvé comme ça ou comme ça, bah, ça faisait une bosse. Et j'ai en fait une toute petite bosse qui vient vers la fin, qui descend vers la fin. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai les supports qui sont fixés, vous avez vu, normalement sur le time-lapse, qui sont fixés au fond, les pieds qui tombent dedans, on a mis de la graisse et tout pour que ça tombe nickel, et en plus, j'ai 2 petites équerres de chaque côté qui viennent brider mes pieds, vous voyez, pour éviter que ça bouge. Donc franchement, c'est costaud. C'est quoi ça sinon? Ça, là. Ça, le blanc, ouais. C'est de la résine, non, sauf qu'elle est blanche. C'est pas une couche de peinture de Non, c'est une couche de résine. Non. Et puis après, il a mis de la résine transparente. D'accord. Bah, ça c'est pas du, c'est de l'époxy en fait, hein, voilà, c'est ça. On va vous faire une petite démo. Voilà, sachez que on voulait une grande table, on voulait qu'elle soit pliable, donc forcément il y a des trucs, on a dû faire abstraction, on peut pas tout avoir, voilà. Mais déjà, je trouve que c'est bien. On voulait garder absolument cette entrée-là et les pieds centraux, tout ça, donc voilà. Et tout, ça, franchement, ça fait de la... Vous allez voir les petits inconvénients. Bon, déjà. Si on veut manger ou quoi, si on a besoin de s'installer pour faire n'importe quoi, on commence toujours à utiliser ce côté-là. Donc faut que je l'ouvre en fait. Ou ce côté-là. Donc, voilà, faut que tu l'ouvres. Exactement. Charlotte va vous faire une démonstration, attention. Voilà, ce côté-là est fait. Ce qui fait qu'elle peut travailler sur son ordinateur ou elle peut écrire des dictées. Et puis moi je peux sortir, les enfants peuvent sortir, les gens peuvent venir librement. Salut, ça va bien, tu vas bien? Hop, voilà, c'est ça qui est cool. Voilà. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, il y a quelqu'un qui a envie aussi de venir ici pour l'aider à travailler. D'accord? Donc on met cette table là, attention. Voilà. On peut toujours passer si on veut sortir. On s'en va? Je sais pas le faire, moi. Si, regarde, écoute, vas-y, fais-le discrètement, vas-y, fais-moi le bruit. Vas-y. Nul. Tu sais pas le faire. Il marche plus. Vas-y. Et allez. Ouais, c'est cool. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on voulait. Ici, on peut sortir. On peut sortir à condition d'avoir une taille mannequin, c'est-à-dire il faut faire du 34. C'est un peu ça. Donc, il n'y a personne qui sort d'ici. Oui, je fais pas du 34 et pourtant je sors. Hein. Ah bon? J'arrive pas à sortir, moi. Oui, j'arrive à sortir. Ah bon? Ouais, mais à mon avis, c'est ton ventre. Hein. Alors, pourquoi tu pleures? Même mon gros cul, ah ouais, non, tu fais passer tes jambes. Eh, ah, c'est bah, bien, fais voir, et moi? Ouais, mais mes jambes, moi, elles sont trop musclées aussi. Et on arrive à passer, voilà, enfin bref. Hop, il faut juste savoir trouver la solution. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur le nez. J'ai un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allez, on y va. Pourquoi tu rigoles? Ça, ça te fait rire? Ouais, oh, t'as mis une grosse mouquille et tout, c'est dégueu. Mouquileuse. Ah, c'est une vraie mouquileuse. Je suis sûr que tu vas voir ce marron, il y a plein de drissettes dedans. Hein? C'est le gamin. Bon, voilà. Donc, on a encore la possibilité d'avoir une grande table et de pouvoir manger dessus. C'est ça qui est cool. Ici, nous avons la possibilité aussi, si la table est dépliée, de pouvoir venir. Si on fait du 36, là-bas c'est 34, ici c'est 36. Voilà, pour venir s'asseoir et on peut sortir. Si on a envie d'aller mettre de la musique, hop, on peut. Voilà, c'est ça qui est cool. Il y a du monde qui arrive pour manger. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Hop, on replie la troisième. Pas trop quand même. Voilà, on replie la troisième. Parce que c'est pas bon Afrique à la cuisine. Et là, on se dit, tiens, il y a encore du monde qui vient manger. C'est pas grave, on n'a qu'à déplier la quatrième. Et là, ça nous fait cette grande table. Et c'est ça qui est cool. Hein? Franchement, c'est magnifique. On a mangé tout à l'heure, hein, on avait l'impression d'être des rois, tu sais. Ouais. Dis donc Théo, tu peux m'envoyer le sel s'il te plaît? Et là, il est venu avec une petite voiture pour nous envoyer tellement, on s'est loin. Alors on se demande si on va peut-être faire un petit truc, vous savez, comme aux japonais, avec une petite chaîne et qui viendrait comme ça et ça tournerait. Et s'il veut nous passer le sel, il met dessus, puis en fait, le sel, il arrive tout seul. Hein? Ça serait trop bien. Ok, merci, tu vois ce que je veux dire? Et puis maman, elle fait à manger, elle nous met ça sur des petits plats, et par l'intermédiaire des petits chariots, petites chaînes, petits tapis, hop, ça vient ici, et puis on peut manger tout. Ouais, franchement, non, ça serait trop bien. Ouais, un peu. Voilà, donc ça fait une grande table. Maintenant, l'inconvénient, on est à table, et ben plus personne ne peut sortir. Et même Lucas, sa chaise est haute, elle passe en dessous. Ouais, maintenant on est à table, il y a des assiettes, des verres, du sel, du poivre, il y a tout ce qu'il faut. Normalement, et là, si on veut sortir pour aller chercher un truc, ben on peut pas. Et ouvrir le placard aussi. Oui, et on peut pas ouvrir le placard. Ah, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, vous avez le placard ici qui s'ouvre pas. Voilà, ça j'avais pas prévu. Celui du bas, on peut l'ouvrir. Si vraiment on veut sortir, ben voilà, il faut faire ça. On ressort. Et du coup, les assiettes, il y a tout qui tombe par terre. Si on peut l'ouvrir, tu es médisante, la Charlotte. Regarde, on peut l'ouvrir aux 3/4. Voilà, c'est exactement ça. Ça va, franchement. Mais si on veut l'enlever, on peut pas. Ah si, peut-être, on pourrait peut-être l'enlever. Tu veux qu'on fasse une démo? Non. Et celui-là c'est pareil, il s'ouvre mais il tape un peu ici, mais franchement ça va, rien de grave. Il est quasiment au fond du placard. Donc voilà, ça fait partie des petits inconvénients. Après voilà, ça va être aussi notre plan de travail, c'est pour ça qu'il est costaud. Je pourrais presque m'allonger dessus. Vous voyez? 66 kg de muscles. Attention, ça tord. Non, il n'y a pas que 10 muscles. Bah tiens, voilà, ça m'étonnerait, où ça? Dans ton bide, dans tes cuisses et dans tes fesses. Donc il y a la moitié, c'est du gras. Toi, tu vas me faire des lignes après. Voilà, ouais. Non, puis même les enfants, ils ont besoin de bien travailler, ils ont de l'espace et tout. Donc tu étais en train de dire que c'était costaud pour une raison. C'est que ça va devenir notre plan de travail pour faire vos suites, pour faire vos mugs, pour tout faire en fait. En tout cas, nous sommes super contents. Et encore une fois, merci à Dimitri de nous avoir fait cette jolie table. Donc voilà, allez sur sa page Facebook, mes création époxy. Elle est démontable, hein, bien entendu. Si on veut, on peut la démonter. On enlève les petites équerres, on la démonte. Par contre, il faut faire venir 2 bûcherons canadiens pour la soulever. Hein, c'est ça. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Je le dis pas souvent, parce que quand on le disait souvent, ça vous gavait. Donc je le dis une fois de temps en temps. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et ou des pouces en bas, comme Yaya a dit, hein, c'est tout, hein, il en faut aussi. Et de vous abonner et d'activer la petite cloche, parce que vous êtes encore nombreux à regarder nos vidéos tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, et nos lives, et à ne pas être abonné. Donc ne vous inquiétez pas, si vous vous abonnez, vous n'allez rien payer. Vous avez juste les publicités entre guillemets à regarder si vous le voulez. Mais si vous vous abonnez, voilà, vous n'avez rien à payer. C'est pas un abonnement payant. C'est vrai que le mot abonnement, du coup, ça rebute certaines personnes, ça fait peur, parce qu'ils se disent oui, on va payer. Mais non, 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 vous inquiétez pas, vous n'avez rien à payer. Vous avez juste les publicités à regarder. Et si vous n'aimez pas regarder les publicités, j'ai la solution. Vous regardez notre vidéo, admettons, elle fait 20 minutes, vous la regardez, elle est trop bien. Vous prenez du bon temps, ensuite vous allez faire ce que vous avez à faire, vous avez peut-être une sauce aux champignons à faire, et vous remettez la vidéo à lire une deuxième fois. Comme ça, sur le meuble, la vidéo elle va se lire, vous aurez toutes les publicités qui vont passer, et comme ça c'est cool. Voilà, j'ai la solution. J'ai un truc à dire. Sur ce, Charlotte va vous dire un dernier truc et puis après on va s'en aller. Donc bon, on vous remercie beaucoup, on vous souhaite un bon mardi, on vous dit à jeudi et après au Salon du Bourget ce week-end. Ah oui, le Salon du Bourget, oh là là, là ça va, tout va s'accélérer, ça va être un truc de dingue. Hein. Venez nombreux, on va tout exploser là-bas. Vous allez venir sur le stand de My Shop Solaire, ça va être blindé. Les Vadrouilleurs, ouais, arrêtez s'il vous plaît, on va être obligé d'embaucher des gros vigiles et tout, des grands vigiles, tout ça, tout costaud. Vous pouvez pas passer, c'est les Vadrouilleurs et tout. Ça va être un truc de dingue. Jérémy. Ouais, et puis moi je vais pleurer et tout, je vais jeter mon mouchoir, les femmes vont se jeter. Ah, le mouchoir de Jérémy. Non ? Ou en fait, non. Bon, on peut rêver, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Je sais pas si ça m'irait en fait d'être célèbre, la gloire et tout, ça va être trop chiant. Ouais, je te jure. Ça va être trop chiant. Remarque, on le vit un peu quand même. Hein. L'autre fois, on a fait Saumur, un petit village paumé, on s'est fait arrêter 3 fois. Ouais, c'est vrai, hein. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Une première fois, c'était où? Au Super-U. Au Super-U. Et deux fois au Super-U. Deux fois. La femme qui nous a dit, d'ailleurs, si tu nous regardes, t'as ta copine qui est passée nous voir. Et en fait, elle dit, ah, mon mec, il est trop deg et tout. Il aurait trop aimé vous voir et tout. Il en a pleuré quand il vous a vu en vidéo parce qu'il veut faire pareil et tout. Et voilà, bah, ta femme, elle nous a vu, pas toi. T'as qu'à nous trouver la prochaine fois. Une fois, un monsieur après sur le parking qui est venu nous voir. Ouais, monsieur qui s'arrêtait. Ah, ça va les Vadrouilleurs. Et puis on était au soir, on attendait Jean-Philippe. On était dans le noir. On attendait dans le noir. Et puis là, une femme qui s'arrête en voiture. Salut les Vadrouilleurs. D'ailleurs, bah coucou à toi. Voilà, il est venu nous dire un petit bonjour. On a papoté un peu et voilà, c'était marrant. Mais du coup, ouais, on se dit, t'imagines quand on aura, mettons, 10-15 millions d'abonnés. Comment on va faire? Faudra qu'on enlève les stickers sur le bus. On ira dans un autre pays. On ira dans un autre pays. Ouais, mais on est connu sur le monde entier. On est des stars interplanétaires. Et bien sur ce, gros bisous à tous et on se quitte avec le visage d'Edgar de Charlotte. Vous ne prenez pas mon navire. Allez, bye bye, ça suffit. Bonjour et bienvenue chez les Vadrouilleurs. Hey, j'ai toujours rêvé de faire un truc au micro, regardez ça. Oui, bonjour. C'est trop marrant. Alors, donc, non, j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Et là, regarde. Là, on pourrait presque faire un bras de fer. Ok. Ah non, j'aime pas quand tu fais ça. 1, 2, 3. Il est costaud, lui, hein? Et toi, es-tu aussi costaud? Oh, il se fait ratatiner par sa soeur. Arrête, il va lui déboîter le bras, c'est bon, t'as gagné, Lucie. Ah, oh, les boules. Fais voir. Elle en a dans les bras. Non, c'est pas une... T'as les boules? Non. Il va falloir te muscler, mec. Hein.